Bonjour, c'est Aurélie. Je voulais faire une vidéo donc pour mon 7e mois de grossesse. Et j'en profite pour vous faire cette vidéo avec une vue incroyable sur le viaduc de Millau et sur Millau. Donc oui, il est temps que je fasse cette vidéo parce que je vais attaquer bientôt mon 8e mois dans quelques jours. Alors je voulais vous parler un petit peu de ce 7e mois de grossesse. Donc j'ai donc entamé le dernier trimestre de la grossesse, le troisième. J'avoue que c'est un petit peu plus fatigant, ce 7e mois de grossesse, un petit peu moins d'énergie, un peu plus fatiguée, un peu plus des symptômes de grossesse qui sont revenus, comme un peu d'acidité, des troubles du sommeil. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais entre 4 et 6 heures du matin, c'est cruel. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà, avec l'homéopathie, j'essaie de faire ce que je peux pour traiter ça. Après, tout va bien, bébé bouge énormément, je sens vraiment des coups assez forts. Mon ventre qui se déforme vachement. Mais voilà, c'est très chouette quand même de le sentir, de sentir sa présence. Ce 7e mois aussi s'accompagne d'une envie assez importante maintenant de le voir, de le rencontrer, de le prendre dans mes bras. C'est assez fort, donc très très chouette. J'ai ma dernière écho, donc la troisième écho de 32 semaines vendredi. Je sais qu'il est toujours les fesses en bas, la tête en haut, ce qui donne des énormes coups de pied en bas. Et je sens en touchant mon ventre effectivement que la tête est bien sous les côtes. Mais voilà, normalement bébé peut se retourner vers le 7e, 8e mois, donc je ne m'inquiète pas trop pour le moment. C'est sûr que ça peut modifier les projets s'il reste les fesses en bas, parce qu'un accouchement par le siège, c'est un petit peu différent. Mais voilà, donc super ravie, toujours heureuse. J'ai fait mon blessing way. Donc j'ai fait une vidéo sur le blessing way pour expliquer un petit peu ce que c'est, et c'était génial. Donc on s'est retrouvés, c'était une soirée entre femmes, entre mamans, et on a partagé des moments précieux, des souvenirs magnifiques. Il y a pas mal de photos sur Facebook, la web télé d'Aurélie, Facebook Aurélie sur Meli, et sur Instagram aussi, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vous embrasse très fort, il y a du vent, le soleil s'est un petit peu caché. Je refais un dernier petit tour pour ceux qui découvrent Millau. Voilà. Et...